De vergrijzing neemt toe in onze maatschappij. De stijgende behoefte aan ouderenzorg betekent dat de residentiële zorg en de thuiszorg elk met ongeveer 1/3 moeten groeien tegen 2025. Dit is niet enkel een uitdaging van aanbod, bouw en infrastructuur, maar ook van personeel. Dat moet met 1/3 toenemen. Itinera deed een onderzoek en kwam met deze cijfers voor de dag. Er zijn 120.000 extra krachten voor ouderenzorg nodig tegen 2050. 9 op 10 rusthuizen zijn op zoek naar extra zorgverleners. Structureel betekent dit een tekort van 7% aan zorgpersoneel, gemiddeld 5 tot 7 fulltime equivalenten per zorginstelling. Op dit moment oefenen 30% van de afgestudeerde verpleegkundigen hun beroep niet meer uit. 80% van de zorgverleners kiest voor een job buiten de ouderenzorg. 85% van de zorginstellingen klaagt hoge werkdruk bij zorgverleners aan. Doordat de werkdruk van het personeel hoog is, komt de kwaliteit van de zorg onder druk te staan. 21% van de zorgorganisaties meldt aantasting van de kwaliteit als gevolg van de personeelstekorten. 77% van de zorgorganisaties rapporteert een hoge administratieve werklast. 75% van de zorgorganisaties rapporteert een onvoldoende afstemming van de middelen, zoals personeel en financiën, op de werkelijke zorgbehoeften van de senioren. 70% van de zorgorganisaties voelt zich niet gesteund door de overheidsvisie en strategie. Paul Le Torey is directeur van zorginstelling Bellevue in Vorst. Hij kan zich vinden in de resultaten die het onderzoek van Itinera heeft opgeleverd. Donc ici à la résidence Bellevue, il y a effectivement un manque de personnel soignant, très clair. Nous avons actuellement un manque de 3 infirmières et donc on est à l'engagement de ce personnel via des sociétés de recrutement ou via les petites annonces. Malheureusement actuellement, donc on est toujours en attente de 3 infirmières ici à la résidence Bellevue. C'est structurel, je pense, puisque finalement, dans toutes les maisons de repos de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre, le problème se pose de cette manière-là. C'est sûr que le fait de faire appel à du personnel qualifié, comme nous l'impose à la fois les normes de la région wallonne, de Bruxelles ou de la Flandre, font qu'on a besoin de ces infirmières, et également les normes de l'INAMI. Néanmoins, on se rend compte que les normes ne sont pas toujours en phase par rapport au type de prise en charge qui sont faites dans les maisons de repos. L'explication de cette pénurie du personnel, bon, c'est clair qu'il y a la lourdeur du travail. Donc c'est sûr que la pénibilité du travail du personnel soignant, les horaires, la prise en charge des personnes âgées qui n'est pas toujours facile. Il ne faut pas se le cacher. Donc les personnes âgées sont des personnes qui ont besoin de beaucoup d'écoute, beaucoup de soins. Et certains membres du personnel n'ont pas toujours envie de cette prise en charge. Et on constate aussi que la durée de vie à la fois d'une aide-soignante ou d'une infirmière diminue. Ceci étant lié à des phénomènes de burn-out qui font qu'à un moment donné, le personnel n'a plus envie de travailler, donc tombe malade et donc sont écartés du circuit professionnel. Et donc on a malheureusement, on voit régulièrement des infirmières ou des aides-soignantes ou des autres professionnels de la santé type kiné, ergo, logo, qui malheureusement ne font pas une carrière complète en maison de repos. La durée de vie est malheureusement limitée. Oui, donc quelque part, donc nous essayons d'assurer une meilleure qualité de soins auprès des personnes âgées. Malheureusement, la pénurie fait qu'il y a une surcharge de travail vis-à-vis des autres membres du personnel. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut trouver un juste équilibre. Et donc c'est là où malheureusement, on a certaines activités de la vie quotidienne qui ne sont pas toujours assurées comme il le faudrait, notamment toute la partie écoute de la personne âgée. Les personnes âgées souhaiteraient qu'on passe plus de temps près d'elles, mais le personnel soignant doit souvent courir pour assurer les soins de base et donc malheureusement ne passe pas assez de temps peut-être auprès des résidents pour les écouter et les aider pour certaines petites choses, petits détails, mais pour eux c'est terriblement important. Alors, nous essayons évidemment que la qualité des soins ne soit pas altérée, tenant compte qu'on essaye d'avoir un personnel, je dirais, motivé,
Ce n'est pas toujours évident, mais on essaie d'avoir un personnel motivé qui assure cette qualité de service. Et donc, c'est quelque chose sur lequel notre groupe est terriblement attentif, d'apporter cette qualité aux résidents que nous accueillons dans nos maisons de vie. D'une part, le recrutement international, nous faisons appel à du personnel étranger, donc à du personnel des infirmiers roumains qui rejoignent nos équipes, ce qui n'est pas toujours chose évidente, tenant compte au niveau de leur formation de base, qui n'est pas la même que chez nous, au niveau culturel et au niveau linguistique. Donc nous devons faire appel à ce personnel pour rentrer et respecter les normes édictées par les communautés et régions ou par l'INAMI. Et donc c'est là où malheureusement on a besoin d'infirmières, donc on fait appel à ces infirmières étrangères qui nous dépannent effectivement, mais on pourrait faire appel à ce moment-là à d'autres alternatives. Vous l'avez dit, le glissement de certaines tâches vers les aides-soignantes, donc c'est clair que si l'INAMI imposait des normes moindres, on pourrait effectivement donner plus de responsabilités aux aides-soignantes, et certaines aides-soignantes sont parfois bien meilleures que certaines infirmières. Et donc au niveau de la qualité du service qui est apporté aux personnes âgées, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement envisager. Et tertio, il y a la problématique de l'enseignement. C'est vrai qu'au niveau de l'enseignement, on constate qu'il y a une faiblesse, je dirais, de la qualité d'enseignement liée au fait que depuis ces dernières années, on constate malheureusement un glissement vers le bas de la qualité de l'enseignement. Maintenant, c'est là-dessus qu'il faut peut-être travailler pour pouvoir motiver le personnel à se dire « Tiens, je viens en maison de repos, je fais une formation d'infirmière, d'aide-soignante, c'est parce que j'ai vraiment envie et non pas parce qu'il y a justement pénurie du personnel. » Momenteel is het structureel tekort gelijk aan 7% van het zorgpersoneel. In sommige zorginstellingen kan dat oplopen tot 20%. Dus dat wil zeggen 1 op de 5 personeelsleden die niet aanwezig zijn. En we zien ook dat dat echt wel uitbreidt, dat tekort. Dat neemt toe doorheen de tijd. En het blijft niet alleen meer beperkt tot de verpleegkundigen, maar het gaat zich ook voordoen bij verzorgenden, bij ergotherapeuten en andere beroepsgroepen. En bovendien, tot slot, stellen we vast dat het tekort zowel in het noorden als in het zuiden in ongeveer dezelfde mate voorkomt. Jazeker, het is zo dat 85% van de zorgorganisaties aangeven dat de werkdruk hoog tot zeer hoog is. En dat heeft tot als gevolg dat steeds meer van die zorgverleners ook uit het beroep gaan stappen. De cijfers van ontevredenheid van het personeel en van burn-out die liggen allemaal zo rond tussen de 20% en 30%. En ja, als steeds meer mensen uit het beroep stappen, dan wil het zeggen dat het steeds zwaarder wordt voor degenen die nog in het beroep blijven. En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht van steeds toenemende tekorten. Wel, als je die vaststelling van hoge werkdruk combineert met het feit dat meer dan de helft van de zorgorganisaties aangeeft dat ook de kwaliteit van de basisopleiding van uw zorgverleners achteruit gaat, ja, dan kom je toch wel tot mogelijke risico's voor de kwaliteit van zorg. Dat wordt ook effectief in de praktijk bevestigd door 21% van de organisaties die duidelijk aangeven dat de tekorten rechtstreeks een invloed hebben op de kwaliteit die zij kunnen aanbieden aan hun ouderen in hun instelling. Wel, eerst en vooral zou het beleid veel meer aandacht moeten hebben voor de preventie bij de ouderen, dus ervoor voorkomen dat er meer ouderen in die zorg terechtkomen. Daarnaast heb je nog het belangrijke punt van carrièreontwikkeling, loopbaanbeleid, zowel binnen het beroep zelf, ervoor zorgen dat er groeikansen zijn, dat mensen kunnen stijgen, kunnen promoveren, dat is vandaag de dag afwezig. Ten derde, taakverschuiving, een heel belangrijk aspect. Het is zo dat momenteel bijna alle zorgverleners alle soorten van taken uitvoeren, terwijl het veel logischer is en efficiënter om dat meer per functie heel duidelijk te gaan verdelen. Er zijn nog andere mogelijke beleidsaspecten, maatregelen, bijvoorbeeld internationale recrutering, een meer actief beleid voeren op dat vlak. Zo niet kom je vaak tot ongewenste neveneffecten. En tot slot, heel belangrijk ook, is ja, om de basisopleiding zelf qua kwaliteit te verhogen.